Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la terre d'Auvergne. Justement, je vous attendais. Vous êtes un peu en retard, hein, je vous avoue, mais c'est pas grave. Je finis juste de passer un coup de débroussailleuse à l'entrée de la ferme. Hein. Hop, on va se mettre un peu en vue extérieure, comme ça vous pouvez voir un peu le bonhomme. Et donc aujourd'hui, étant donné que je vous attendais, mais on va tout simplement aller se faire des betteraves. Je vais vous montrer ce qui a été fait un petit peu hein, depuis. Hop, ce qu'on va faire, on va faire ça. Hop, voilà. Alors, moi, je vous propose tout simplement, c'est que nous allons laisser la machine dans le coin. Hein. Je reprendrai ça plus tard. Hop, on la pose. Et voilà. On va peut-être l'arrêter quand même. Voilà. Donc allez, nous allons faire de la récolte de betteraves aujourd'hui afin de pouvoir nourrir tout simplement nos animaux. Hein. Je vais vous montrer un peu ce qui a été fait depuis la dernière fois que l'on a fait de l'ensilage avec le frérot. Donc allez, hop, il y a eu de l'enrubannage de fait. Donc ça, je l'avais fait en live sur Twitch, je vais vous montrer ça de suite. Étant donné que l'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'enrubannage en Auvergne, voilà, moi j'ai fait un petit stock. Un petit stock en complément du maïs ensilé. Hein. Ah, tiens, voilà le petit Alex. Mon petit Alex, allez, on va le nourrir, mon petit Alex. Hop, voilà, oui, de l'herbe. On va pouvoir manger un peu. Donc voilà. Et il y a eu de la moisson de fait. Aussi, la paille n'a pas été rentrée, donc on la mettra ici, on la stockera là, tout simplement. Il y a eu de la récolte de tournesol aussi en live, tout ça pour pouvoir vendre. Hein. J'ai fait ça en live tout simplement pour pas que cela pourrisse. Et donc aujourd'hui, nous allons aller faire un peu de betterave. On va se prendre le casse-IH 230, on va le démarrer. Voilà, j'ai déjà un tracteur sur place hein, sur le champ. Et allez, donc là vous allez voir, j'ai baissé un peu la résolution tout simplement de mon jeu pour éviter les pertes de FPS parce que moi c'est vrai que je jouais tout le temps en ultra lorsque j'enregistre pas ou que je ne fais pas de live, j'ai aucun problème, hein, mais dès que je commence à tourner, c'est vrai que j'ai des pertes de FPS dues au logiciel. Mais donc ça, aujourd'hui j'ai baissé, je l'ai mis en low, voilà, je l'ai mis au plus petit. Tout simplement pour essayer de voir si tout simplement je n'ai pas de perte de FPS afin que vous puissiez avoir la meilleure qualité possible pour les vidéos. Donc là je vois que je suis tout le temps à 60 FPS constant. Donc ce qui est pas mal. Et donc nous allons voir au fur et à mesure de la vidéo. Si ça vous plaît, vous me dites tout simplement en commentaire, c'est très bien, ne change rien. Et si ça vous plaît pas, vous voulez que j'augmente un peu plus la résolution, je le mettrai en médium par exemple. À vous de me dire, on verra, on verra, on verra. Donc voilà, le champ de droite a été moissonné. Je l'ai pressé, donc je vous ai évité tout ce qui était moisson et pressage de paille, étant donné qu'on avait déjà fait une petite série sur le foin. Donc je me suis dit, bon, on va éviter de vous montrer trop de presse et de fauche de moisson pour l'instant, au début, tout simplement. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, hein, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire par la suite. Et donc je me rentrerai les ballots tranquillement. J'ai évité aussi la fauche de l'herbe pour faire l'enrubannage. Je vous ai évité ça. Les petites corvées, on va dire, comme ça. Et aujourd'hui, on va tout simplement se récolter la betterave. Voilà, la petite betterave. Donc là, je me suis pris les feuilleuses devant. Hop, et derrière la Roadster 604, voilà, j'étais en train de chercher le nom. Roadster 604 de chez Grimm. Donc ça, c'est de base du jeu, hein, tout simplement. Un voisin a fauché son champ là sur la droite, a fait du foin. Il m'a demandé si je pouvais le récupérer pour moi gratuitement et gentil. Donc déjà ça c'est ça sera de ça en plus, enfin en moins à faire. Donc allez, hop, j'ai mon vieux Dutz qui est réparé sur la gauche avec la benne campagne qui nous servira. En espérant qu'il arrive à tout tirer hein, par la suite. Et allez, ce qu'on va pouvoir faire, on va déjà activer la feuilleuse, on va pouvoir déployer l'arrière. Déployer celle de derrière.
Voilà. Et allez, on va pouvoir commencer, hein, tout simplement, gentiment. Normalement, le tracteur devrait tout tirer. Donc allez, on est parti. Je sais pas si on aura le temps de faire tout le champ. C'est pareil, je vais essayer de vous faire des vidéos courtes pour certaines choses, hein. Tout simplement pour pas que ce soit trop lassant, trop gavant. Et donc là aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement à faire les betteraves, nourrir les animaux si on a un peu de temps. Et puis voilà, apparemment il y a un peu de rendement quand même, on est déjà à 20%. Donc allez. Voilà, la série mais avec l'arrivée du FS17. Dites-moi si vous voulez que je continue tout simplement la série sur la terre d'Auvergne. Dites-moi hein, sur FS15. Je sais pas si elle sortira sur FS17. Hein, si elle sort sur FS17, oui, là je continuerai tout simplement. Mais si vous voulez que je continue, dites-moi, dites-le moi. Ou alors si vous voulez que, en attendant, vu que FS17 sort dans peu de temps, si vous voulez que je passe directement sur FS17 à autre chose, pour une autre série sur FS17, ou si vous voulez que je fasse et FS17 et FS15, il n'y a pas de problème. Donc là on est sur de la location, hein, la location sur les machines de Grimm. Hein. Une fois que le champ sera fini, tout simplement, le concessionnaire est pas loin. Donc je ramènerai les feuilleuses et la récolteuse à betterave au concess. Est-ce qu'on voit... On voit pas trop la différence là, je sais pas. Ah oui, mais si j'active pas, ça marche pas, vous allez me dire. Eh oui, premier fail. Là, normalement, on devrait voir une différence. Voilà, là, il n'y a plus de betterave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, et on est parti, hein. On va continuer tranquillement. C'est vrai que moi je prends énormément de plaisir hein, à faire cette série, que ce soit mais tout seul ou avec les gars, avec les voisins, plus particulièrement. La série avec Juju, les frères Petrov, c'est vrai que mais là, en ce moment, moi, étant donné que j'ai récupéré mais un tout nouveau travail, mais c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, hein, je vous avoue. Maintenant, bah, pour ceux qui veulent le savoir, je suis maître de chai dans un château viticole, donc voilà. J'ai énormément de travail, surtout en ce moment, mais avec les vendanges. Hein. Donc j'essaye de faire des vidéos, de faire des lives, de prendre du plaisir aussi avec ma team, hein, plus particulièrement. Donc voilà. Donc allez, hop. On va essayer de se faire ça tranquillement, au calme, comme disent les jeunes. Hop. Voilà. Comme ça. Sur une petite marche arrière, on est à combien? 59%. Bon, ça va. Normalement, on devrait faire deux machines avant de remplir la benne. Je vais vous montrer la benne après. Donc aussi, je voudrais faire quelques petits remerciements, hein, tout simplement pour les personnes qui nous suivent, qui nous mettent des bons petits commentaires. Par exemple, des petites dédicaces. Hein. Bon, je vais pas citer tout le monde car j'ai pas tout le monde en tête. Hein. Merci à Suissarme, à Denis, à Bruno, à mon petit Bruno. Merci à toi Bruno avec tes très très jolis commentaires, à Xavier, à GG, Renault 21, entre autres, à Rémi, à Alain du 53 qui nous suit aussi, qui sait que nous avons bah, Warrior, mon petit Warrior qui nous suit beaucoup aussi, également à Esteban. Voilà, après voilà, comme je vous dis, j'ai pas tout le monde en tête. Hein, merci. À toute ma team aussi, exact. En même temps, merci à toute ma team, à tous nos copains streamers qui nous suivent, hein, que ce soit bon, mon petit Ben, mon pote Ben, mon grand copain Farming Savoya, à Guigui, hein, Xénon qui nous a aidé aussi
sur Twitch, également aussi bah, LBTD Gaming qui, avec qui on commence à bien s'entendre par exemple, entre autres parmi tout le monde, merci à tous, et donc allez, on va se remplir la benne, normalement on doit faire 12 000 je crois, 12 ou 14 000 je crois, et la machine doit faire 6 000, allez, on va continuer, hop. Bon là j'ai un petit petite bande qui n'a pas été faite parce que ça doit pas la petite bosse, ouais voilà il y a une petite bosse, ça ne le prend pas. Donc allez, tranquillement. Bon j'ai parlé un peu avec le nez, je vous avoue que je suis un peu malade en ce moment. Donc hop, là sur la droite on a un petit champ de patates, c'est pareil. Hein. Une fois que j'aurai fini ça, je louerai de la récolteuse, de la faneuse pour les pommes de terre. Dites-moi si vous voulez le voir encore en vidéo ou pas. Et donc après c'est pareil, il faut que je réorganise tout simplement d'autres travails avec d'autres récoltes plutôt, oui, avec les voisins s'ils sont disponibles. Hop, voilà, tranquillement. Je vais vous montrer aussi un peu la map, tout simplement de ce qui a été fait hors vidéo, hors live. Donc, ce que je peux faire, vous faire, c'est ça de suite. Hein. Tout simplement, si nous regardons. Alors, voilà. Il y a des grands, grands champs, des très grands champs. Donc, ça, c'est en collaboration avec les voisins. Ça, ce sont des champs que nous avons achetés à plusieurs. Hein. Étant donné que ben, moi j'ai pas forcément les moyens d'acheter des grands champs. Donc si vous regardez le champ 24, un grand grand champ de tournesol. Le 23, un grand champ de d'orge. Le 22, du sorgho. 21, 16, de l'avoine. Et donc voilà, hein, tout ça, tous ces grands champs, je ne vais pas me les faire tout seul, étant donné que ben, ça me servirait à rien. Si, à vendre, vous me direz, mais j'ai pas forcément les moyens, il me reste 80 000 euros. Étant donné que j'ai acheté la campagne là-bas, la benne de la campagne, j'ai fait la location, j'essaie de jouer un maximum sans trop cheater sur cette partie. Donc c'est pour ça, au pire je vendrai quelque chose. Hein, d'ailleurs j'ai à la ferme j'ai la moissonneuse que Patrick m'a prêtée. Donc il faudrait que je lui rende aussi également. Donc allez, hop, 73%. On va pouvoir essayer de se vider ça. De suite même. Ça va voir combien on est dans la benne. Hop. Tac là. 60%. Oh bah ça devrait le faire. On va pouvoir s'en récolter encore un peu. Hop là. Donc si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Hein, la benne la campagne provient donc du site de chez Black Sheep Modding. Black Sheep Modding que vous pouvez retrouver sur Facebook. Oula, hop. Voilà, on va réactiver tout ça. Essayer de choper ça. Ça devrait le faire. Ouais. Donc allez, on est parti. J'ai pas racheté de tracteur, hein. Je suis toujours avec le CAS Puma 230 CVX. Donc c'est l'un des plus gros que vous verrez sur cette série. Hein. Étant donné qu'il me faut quand même un gros tracteur pour pouvoir faire de gros œuvres comme ici. La machine, je crois qu'elle me demande 150 chevaux, la machine de derrière. Donc ça va. Toc. Impeccable. La machine demande quand même beaucoup, oui, c'est ça. Hop. Donc là, vous pouvez voir le mode de location. Là, il me reste 1h40 minutes. Donc, c'est le mode, ça s'appelle Miette Mode. Donc, vous allez sur Google, tout simplement, vous tapez Miette, M-I-E-T, plus loin Mode, M-O-D, et vous allez tomber sur les sites de téléchargement de mode, hein, genre Modoster, LS15 Mod, Farming 2015 Mod par exemple, entre autres, et vous allez pouvoir télécharger donc le Miette Mode de location de véhicules. Donc tout simplement, comment il marche, je vais vous montrer, hein, vous allez dans votre garage, par exemple vous voulez louer un tracteur
Par exemple celui-là. Vous cliquez une fois dessus, vous faites louer, enfin vous avez loué ou acheté, vous faites louer. Et là vous choisissez le nombre de jours et le ou alors le nombre d'heures par exemple. Si vous voulez le prendre pendant 2 heures, 4 heures par exemple, ça va vous coûter 680 euros. Le prix par jour est fixé à 3264 euros. Donc si on prend une journée, 3434, il y a peut-être une réduc. Hein. Prix par heure, 170 euros. Et les frais de découvert, si vous rendez le véhicule après le temps fixé, si par exemple vous prenez pendant 2 heures et que vous le rendez au bout de 3, vous aurez une majoration de 185 heures, 285 heures. 195,5 euros par heure de trop. Et si vous le rendez sale ou sans avoir fait le plein d'essence, ben vous aurez pareil une majoration. Je crois que c'est 100 euros si vous ne l'avez pas lavé. Et je crois que c'est 1 euro par litre manquant dans le véhicule. Voilà. Donc si par exemple le litre du gasoil est à 0,80, je sais pas, 0,90, on va dire. Mais vous aurez une perte de 10 centimes dessus, hein, étant donné qu'ils vont vous facturer ça 1 euro le litre. Allez hop, on continue ça tranquillement. En espérant que le vieux papy arrive à tirer la benne. Je vois que là il y a une ligne qui n'a pas été faite. On va essayer de se la reprendre. Voilà. Comme ça, tranquillement. Allez! Donc après c'est pareil sur Hackendorf, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué en ce moment avec les gars qui travaillent. Étant donné que mon petit Patrick, lui, il a retrouvé un travail, bah après vous me direz c'est mieux comme ça. Hein. C'est pas, étant donné qu'on vit pas sur YouTube ou sur Twitch, hein, on est très loin de pouvoir en vivre, mais donc chacun a ses activités, chacun a sa famille. Hein. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Peut-être aussi un peu de ras-le-bol de FS15, tout le monde attend FS17 avec impatience. Donc voilà. Voilà, c'est normal, hein, on va dire. Hop. Mais on va être pas mal. On va être pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez. On va dire sur cette nouvelle saison, hein, entre guillemets, étant donné l'arrivée du 17, ce que vous attendez de la FFA. Voilà, c'est la grande question. Qu'attendez-vous de la FFA? Donc, après, pareil avec Franck, avec Toubi, nous on joue beaucoup à l'éteindre à FIFA 17. Donc, après, je me dis, ça sert à rien de faire des vidéos sur FIFA parce que bon, beaucoup de personnes n'aiment pas le foot. Hein. On va peut-être pas faire des vidéos dessus. Moi, je vais avoir un nouveau PC. Je pourrais vous faire une petite fac sur mon PC, sur mon nouveau PC, si vous voulez. Et après, là, je pourrais vous proposer plusieurs jeux. Par exemple, Mafia 3. Bon, Rocket League, ça, je vais pas vous faire du Rocket League. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Battlefield 4, Wardline, en vidéo. Non, je pense pas. Dites-moi. ATS ou ETS, moi non. Pareil, regardez quelqu'un qui conduit ça, il n'y a pas vraiment de but, hein, je pense. Enfin, à mon avis. Hein. De fait de vous proposer ça, surtout que Juju lui vous fait ça très bien, donc je vous propose plus d'aller voir ça sur la chaîne de Farming Savoyard, tout simplement. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en jeu. Oula. Peut-être le nouveau jeu là, Giant Simulator, la simulation là que Vincent a, mais lui il va peut-être vous proposer une série dessus, avec le matériel de construction là, je crois, TP. Donc je verrai, n'hésitez pas à me demander ce que vous voudriez voir en jeu à côté, que ce soit de la simulation ou un autre jeu, hein, si vous voulez du FPS ou je sais pas, Mafia par exemple, n'hésitez pas à me demander. Voilà, pas de problème. C'est vrai que moi j'aimerais bien changer aussi de jeu sur la chaîne, vous proposer autre chose pour être plus sympa. The Hunter par exemple, on pourrait faire jeu de chasse avec l'équipe, étant donné que tout le monde là dans l'équipe, on pourrait se faire ça. Donc je sais pas. Ben je vous propose tout simplement de nourrir les veaux en premier. Je ne sais pas si la benne va y passer. Hop.
Alors, normalement, ça doit être au fond. Ouais, ça doit être là, normalement. Faudra leur mettre de l'eau aussi, si je l'ai pas fait. Alors, normalement, ouais, il faut activer ça. Les betteraves sucrières ne sont pas acceptées ici. Ah bon. Et en quel honneur? Ah, ça se trouve, faut mettre que des patates. Ah, ça se trouve, je me suis bien planté. Ça se trouve, je me suis bien planté et je peux mettre que des betteraves. Et ouais, voilà, le beau fail, on peut mettre que des patates. On va essayer d'aller en mettre au cochon, et bah, sinon c'est pas grave, hein. On va les stocker. Par contre, le stockage de betteraves, bonne question. Bonne question, je ne sais pas où est-ce que le grand-père nous l'a mis dans la ferme. J'ai pas. C'est vrai que je ne l'ai pas vu. Ah si, c'est vrai, je sais où il est, c'est bon. On va essayer de se le mettre là, et s'ils les veulent pas, bah, tout simplement, tant pis, hein. On se fera des patates la prochaine fois. Hop. Ok, pour ceux qui veulent savoir, hein, c'est le Dutz D80, voilà. Enfin non, les betteraves sont pas acceptées. Ils ne les veulent pas. Ils veulent pas de mes betteraves. Bon, mais c'est pas grave, hein. On les emmènera tout simplement à vendre. Hop, avec un plus gros tracteur et une plus grosse benne là, avec le Joskin par exemple. J'espère que qu'il va réussir à le monter, le papy là. Il sort tout simplement du garage, je l'ai réparé, mais il doit y avoir encore quelque chose qui bloque, enfin qui va pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc normalement, vous avez un stockage sur la droite. Là, on voit la classe que j'ai. Oh bah, le papy n'arrive pas à monter. Tout simplement, ce que nous allons faire. On va le changer. Il va falloir que je regarde ce qui ne va pas dessus. On va le remettre là. Et on va se prendre un autre tracteur. Si vous acceptez. Et donc ça, il faut que je la rende à. La Dominator 80 vitesses, il faudra que je la rende à Patou. Et ben nous, on va se prendre un bon tracteur, tout simplement. J'ai envie de vous dire. Allez. Le IHC International 1455. Je vous l'avais mis hein, sur une autre vidéo. Allez. Hop. Voilà. Là, au moins, on sent déjà la différence. Tac, normalement, le stockage, voilà. Magnifique. Et il pense à tout, le papy. On va mettre ça là. Je regarderai si j'ai pas une utilité, hein, tout simplement, des betteraves. On va regarder en vitesse. Non, on n'a pas de sucrerie. Non, il n'y a pas de sucre. La jardinerie. Bon, on ira vendre tout ça tout simplement à la coop. Hein. À la coop, voilà, tout simplement. Ça nous fera de l'argent. Hop, allez. On est reparti. Et c'est bon. Allez. Ah oui, là déjà, on sent. Ça va beaucoup mieux. Hein. Bon, faire attention quand même. Pas tout casser. Je sais pas si je pourrais me mettre le damage mode sur cette map. Ça pourrait être sympa aussi. Tac. Après c'est pareil. La map était modifiée et peut accepter le seul mode. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voudriez. Bon. Faut d'abord que je récolte les champs qui sont avancés, qui sont prêts à récolter, hein, sinon ça va pourrir de suite. Mais si vous voudriez que j'installe le soil mode sur la map et que je joue avec, et comme ça je pourrais vous faire des petits tutos, hein, entre guillemets, on va dire, sur le soil mode. Donc n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Après, moi je sais que j'aime bien le soil mode, ça pourrait être sympa aussi, hein, de vous le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Hop, 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 voilà.
Là, le champ, ça faudrait que je le récolte, j'en et que je récolte par la suite. Là, on a le PGA. Voilà. On se remet en dessous. Ah, pick-up. Peut-être l'éteindre, ça sert à rien. Voilà. Allez. On y retourne. Ouais, là on sent qu'on encore mieux la différence du tracteur. Et donc voilà les amis, moi je vais finir peut-être le baisser. Hop, on le baisse et c'est reparti. Donc voilà les amis, comme j'allais dire, tout simplement moi je vais finir mon petit champ. Peinard, hein. Peinard, peinard, et donc on se dit donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci encore une fois à tous de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu ou pas. Et donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Gardez le sourire et à ciao, bye bye. Je sais pas, par contre, il y a Fred, il bouge pas. Ouais, bah. Je sais rien faire. C'est magnifique. Quoi? Un petit coup de pied. Oh la vache. Pourquoi tu sais rien faire? Bah, non, je sais rien faire du tout. Non. T'as descendu? Descend. Descendu ou monté? Descends. On a pu descendre. Il bouge son véhicule, hein.